Alors, le jeu The Guest de ce soir est basé sur l'exploration et crée progressivement une tension pour offrir une expérience plus profonde. L'histoire se déroule dans une maison où se trouve une entité maléfique qui tentera de vous empêcher de sortir vivant. Voilà. Tout est dit, la messe est dite. Vous êtes prêts? Il y a eu une tempête horrible. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai été tellement chanceux de trouver cette maison, ce refuge. Ok, tempête dehors, on trouve une maison, on rentre dedans. Classique. Let's go. Donc voilà une charmante demeure. Moi j'aime bien. La déco est sympa déjà. Bonsoir. Alors, si les lumières allumées, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un, en toute logique. On peut allumer les lumières, ça c'est cool. On peut zoomer, on peut sauter, on peut pas sauter, on peut pas s'accroupir. D'accord. C'est très accueillant cette histoire. Une photo de famille? Ils ont tous la même tronche. Attends, mais c'est une dinguerie, regardez. Ils ont exactement la même tête. Oh là là, ils font tellement peur. D'accord. J'ai pas de lampe torche. Oh là là, il fait noir là-dedans. J'ai entendu quelqu'un toquer. Une large collection de livres. La vieille apparemment est pas encore ménopausée vu le sang. Oh putain. Eh, vous êtes violent des fois. Il y a de la violence dans ce chat. C'est quoi cette déco là? À quel moment tu mets ça chez toi vraiment, hein? Je me pose des questions des fois les crozins. Hein. Sur le goût de des gens. Regarde-moi ça. Tu mets pas ça dans ton couloir quand même. Étant décoratrice, j'approuve la décoration. La personne a du goût. Ouais. J'ai besoin de quelque chose pour enlever les planches. What the fuck? Il y avait quelqu'un là, j'ai pas vu, putain. Il y avait quelqu'un qui a fermé la porte devant ma gueule là? C'est quoi cette ambiance là? Les creuses, c'est quoi cette ambiance? Ouais, ça sent la possession. Je crois que t'as raison, Xelfir. C'est de la possession. Elle a tapé son orteil contre un meuble. Ah putain de saleté.
dites-moi que vous avez vu ce que je viens de voir. Je peux pas y aller là. J'y vais ou pas ? Necros, on est d'accord que c'est un piège là. Vous avez vu le bras qui est sorti de l'armoire, vous l'avez vu ou pas ? Il a fait ça. En plus, il y a plus aucun bruit là. Eh moi, c'est mort, j'y vais pas. Hein. Elle veut te galocher dans le placard. On est plus au collège là, les gars. C'est fini les galoches dans les placards. C'est pour votre nuit de noces ? Mais non, les lits sont séparés, regarde. Il se passera rien ce soir. Non. Moi, les crocs, je suis désolé, je peux pas. Hein. J'ai pas les couilles, là. J'ai pas les couilles, vraiment. It's too dark. Missing part. Ah, il faut que je trouve l'interrupteur. Find the missing piece. Ok. Non mais là, dites-moi que vous avez vu là. Les creuses, j'espère que vous avez arrêté d'être aveugle là depuis hier. Genre, elle était allongée, elle a éteint la bougie avec ses doigts. Putain, en fait, c'est le genre de jumpscare. Je crois que c'est un jeu où les jumpscares, ils te sautent pas à la gueule. C'est des jumpscares ultra discrets, tu vois. Comme le bras qui dépasse d'une armoire qui te fait ça. Là, elle est là, elle éteint la bougie, tu vois, en te regardant. C'est le genre... Moi, ça me fait peur. Hein. C'est des jumpscares discrets. C'est une saloperie ça. Bon, on va retourner en arrière. Ouais, c'était méga flippant, je suis d'accord. On back. Attends, j'ai cru la voir là. J'ai cru la voir derrière le mannequin là. Non ? Je crois que je commence à voir des choses qui n'existent pas, les crozes. Elle était derrière tout. Ah, elle était. Vous l'avez vu derrière le mannequin? Putain, je l'ai. J'ai pas halluciné du coup. Je peux pas prendre l'épée là pour lui couper la tête, genre? Non? C'est interdit? Ça ne marche pas, putain. Oh là là, faut que j'aille là-bas. Ah, mais la pièce elle est sombre. La pièce, elle est sombre, je dois traverser une pièce dans le noir, là. Allez, go. 3, 2, 1. In nomine patri ex filii spiritus sanctis. Oh, une clé. You have a key. J'ai trouvé une clé. Regardez-moi ça, quoi. Oh putain, non, sa mère. Écoutez, on entend ces bruits de pas. Toshi, je pense que tu vois des choses, tout ça, c'est dans ta tête. Bah, je crois qu'après tout ce temps à faire des jeux d'horreur, je suis devenu cinglé, les creusants. Ah, mais on va pas se mytho, hein, je suis devenu fou. Hein. Oh putain. On dirait qu'elle aime bien éteindre les lumières. Elle a encore éteint la lumière du couloir là. Ah putain, c'est horrible. Téléphone. Oh là 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 là, on a récupéré une clé. Bon, je crois qu'on... Oh putain, elle est là-bas.
Alors, il faut savoir une chose aussi, je peux pas courir. Hein. Je ne peux pas du tout courir, les crozes. Bon, je crois qu'il faut que j'aille par là. Quelle horreur! Attends, je me détends. Putain, j'étais tendu là. Ah putain! Vas-y! J'en ai marre! You need the key! Ah, je l'ai la clé! Ah, attendez. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, la clé. Let's go! C'est bon, on a réussi. You have a piece. Ah, l'interrupteur, nickel. On a chopé l'interrupteur. Ok, let's go. Alors toi, va bien te faire... Hein? Va prendre tes cachets, mamie. Crois qu'il est temps. Non! Je suis bloqué. Quoi ça? C'est elle? J'arrive même pas à distinguer, elle fait quoi là? C'est pas là les toilettes, hein? Elle va me ressauter dessus là, putain. Elle va me ressauter dessus les crozes. Oh putain de merde. T'es sérieux, elle peut nous courser maintenant? Bon, du coup, on peut courir. Ah non, on peut plus. Ok, on a pu courir pendant 20 secondes. Quelle saleté! Elle a ri, ouais. Elle est partie. On a réussi à l'esquiver. Alors du coup l'interrupteur c'était ici. Hein. C'est là. Bonsoir. Service de chambre. Ah. Ça c'est pas de bol. You have the flashlight. Non! Oh là, mais je sais pas pourquoi. Dans tous les jeux d'horreur à chaque fois, dès que je trouve une lampe torche, je suis le mec le plus heureux du monde. Je sais pas pourquoi les croisants. Mais là, je me sens heureux là. Oh, il y a une carabine? Putain, je peux pas la prendre! Il y a des balles! Mais donne-la que je me flingue! Fin de l'histoire. Ah, on a la lampe torche, ça c'est cool. Alors du coup avec la lampe on pourra aller dans des zones où on pouvait pas aller avant, comme il faisait trop noir. Genre là, précisément. Bonsoir. Service des chambres. Il fait très très noir ici. Ah, une clé. You have a key. Thanks, bro. Ah, la clé, c'était pour cette porte-là. D'accord, ok. Bien. Oh! Non, c'est notre... Ah, c'est notre partie de la maison? What? Pourquoi la musique, elle s'excite, là?
Il y a un mécanisme. Ok, on a un coffre-fort. Mais c'est quoi cette musique là? Attends, c'est des fous, eux. Alors, c'est une autre partie de la maison. Putain, mais elle est immense cette baraque! On va où? Gauche ou droite, les crozes? À gauche, il y a une bougie. À droite, il y a pas de bougie. On va aller vers la bougie. Allez. Oh! What? J'ai besoin de mettre quelque chose ici. Ok. Elle est où la vieille? You need a key. Ok. Bonne ambiance en tout cas dans cette maison, c'est clair. J'ai pas du tout envie d'être là. Il nous faut des fusibles ici. J'ai pas du tout envie d'être là. J'ai pas du tout envie d'être là. Ok, et eh ben on n'a pas de fusible les gars. On se casse. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai une forte sensation que la mamie est comme notre... Et comme notre... Et qu'elle nous suit à chacun de nos pas. Il manque un mot, Xelfir. Comme notre quoi? Ah, attends. Oh, une clé! Oh putain la vache! En fait j'ai vu le point d'interrogation. La clé était là. Putain, heureusement. Heureusement que je l'ai vue. Cette porte là peut-être du coup. Calmez-vous. Non. Merde. On a chopé une clé. Y'a plus de lumière là? Est-ce que ce serait la clé du coffre, vous croyez? Non. Rien ici? Attends, bizarre ça. Ah! Putain! Oui! C'était où ça? Mais c'est moi, il y a de plus en plus de sang sur les murs. Attendez, c'est une dinguerie. Regardez la quantité de sang sur les murs. C'est trop là. Ok, on a chopé le levier. Je sais où je dois aller. Pas courir, hein. C'est angoissant de pas pouvoir courir. Elle a ses règles. Non mais c'est plus des règles là, c'est Tchernori, c'est Tchernos règles là. Eh, c'est Tchernos règles là. C'est... Oh putain. J'ai pas réussi à l'esquiver, les crozes. Elle m'a eu. Mais pourquoi on dirait un mec, non? Putain, je me suis perdu. C'est par là, ouais. Je sais pas si c'est une femme ou un homme, les crozes. Parce que, je sais pas. Elle avait un peu une tête de mec. Attendez, faut que je me repère là. Elle voulait faire un don de sang. Du sang pour ceux qui en ont besoin. Ouais, putain. Elle peut réanimer un continent entier là. Ah putain de merde! Saleté va!
Oh putain, c'est violent les jumpscares, bordel. Elle a une jupe, quoique ça veut rien dire. Oh putain. Ah ouais. Un grenier? Ah, une roue. Ok, je crois que là. Putain. Eh, je vous jure, je m'attends à tout avec ce jeu. Il va y avoir un jumpscare dans 2 secondes là. Elle nous saute trop à la gueule. Hein. Ok, on va placer la roue. Ouais. Il y en a une deuxième à choper? Ok, je peux plus la prendre. Ah, il y a une deuxième roue à choper, d'accord. Dans la salle où t'as le coffre, tu as l'espèce de chandelier. Faut poser les clés spéciales dessus, je crois. Là? Alors, dis-toi, qui a dit ça? Lily, sans ce message, je n'aurais jamais trouvé. À quel moment on peut savoir qu'il faut cliquer sur ce putain de truc qu'on voit à peine, quoi? Non, là, c'est trop, là. Bon. Alors, du coup, j'ai posé les clés, mais ça a fait quoi? Ah, ça a ouvert le coffre! Oh! Et grâce. Ah, voilà, elle enchappe le CD! Bah voilà, putain! Mika qui offre un sub à Aronax. Mais dis donc, Mika, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mika, rien que pour toi, je mets les trompettes. Et crois-moi que ces trompettes, faut les mériter. C'est gentil, Mika, merci. Et Aronax, bah... Un mois sans pub, Aronnax. Un mois sans aucune publicité, grâce à Mika. Et d'ailleurs, t'as accès à toutes mes émotes maintenant. Alors attendez. Elle était où cette pièce avec le disque là? Ah, c'est bon, je sais. Non, Lily, t'as géré là. Oh putain! On va mettre le CD. Allez, joue! C'est Mami Diary le son de la musique. Ah yes, la nouvelle roue! C'est bon. Allez, on pose attention le jumpscare. Préparez-vous! Ça va péter! Ça va péter! C'est quoi l'histoire? Il y a, alors là, pour le coup, Aronnax, il n'y a pas. Enfin, il n'y a aucune histoire. Il n'y a aucune note. Il n'y a rien. T'es juste lâché dans une maison avec des énigmes et une grand-mère. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'histoire pour, sur ce jeu. Alors. Qu'est-ce que ça va faire du coup? J'ai mis les deux là. Ok. Ça a dû changer un truc dans la maison. Ah là! Putain, il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Coucou! C'est Toshi, je viens en paix. Je ne vous veux aucun mal. Je suis ce qu'on appellerait un chasseur de démons. Oh putain, il faut retrouver un levier. Aïe!
casse la tête. Putain, mais y a un cimetière ici carrément. Eh, faut que je dégage d'ici vite, moi. Allez, on trouve le levier vite fait. Putain, ça, ils ont mis un labyrinthe, quoi. Ils ont osé mettre un labyrinthe, on y voit que dalle. Se foutre de ma gueule. Quoi ça? C'est trop... Putain, c'est vraiment un labyrinthe en plus! Je reviens pas, regardez! Ah, c'est vraiment un jeu de 2016, hein. C'est vraiment un jeu de 2016, les gars. Uni de qui? God damn. Oh putain. Je crois qu'elle est là. Je sens que ce passage va être compliqué. C'est juste une impression. En fait, putain, regardez, j'éteins la lampe. On voit même pas 1% de luminosité. On voit rien. Putain. Bon là, je crois que quand elle nous course tout le temps. Il n'y a pas de... Alors, même si tu te caches, elle va continuer à te suivre. Attendez, faut que je me concentre. Donc si je vais par là, elle va me sauter à la gueule. Donc, faut que je cours. Je vais courir à gauche du coup, on verra bien. Elle est plus là. Quoi? Mais elle a disparu. Open electronically. Ah putain, elle est plus là, eh. C'est-à-dire que c'est pas... Attends, il y a une chaise électrique, là. C'est quoi ce... Ah, le levier. Ok. Oh là là, faut qu'on retourne tout au début. Oh putain. En vrai, il fait bader le jeu quand même, hein, je vous l'avoue. C'est pas un jeu à mettre dans les mains de tout le monde, je crois. C'est assez oppressant, saloperie. Elle veut te bouffer? Oui. Mets-moi de la lumière, là! Ah ok, ça, à mon avis, ça a activé la porte électronique, électronicale là. Putain, on doit y retourner, fait chier. Allez, on se concentre. It's Friday again. Sad December low. It's Friday again. Na-na-na-na-na. Ah voilà, ça s'est ouvert, ok. Let's go. On comprend rien à l'histoire de ce jeu, hein, je vous jure. Ah, il y a une clé là. Très bien. On a chopé une clé, les Cruz. Bon. Ok.
Elle était où la porte? Putain de merde! Je me souviens plus s'il y a une porte au sous-sol ou pas à déverrouiller. Ah putain, merde, j'ai oublié. Je crois que oui. Je crois qu'au sous-sol il y a une porte à déverrouiller, je suis plus sûr. Ah putain, faut y retourner les crozes. Il y a une porte à déverrouiller en bas. Hein. Ah mais je sais plus où elle est. Je sais plus où elle est. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Merde! On va la retrouver. Attends. Salut Gwen. Non, le jeu il est horrible, vraiment. Je te jure, j'en chie depuis tout à l'heure là. Il est assez horrible. Merde, elle était où cette porte? Il faut du crack. Elle était là. Ah, elle était là. Yes. Oh putain, sortez-moi de là. Sortez-moi de là, les gars. Ah, c'est ça. Putain, je crois qu'on est mort. Mais c'était quoi ce jeu? C'est fini les crozes. Oh! Waouh! Eh, je sais pas pourquoi. Il y a des jeux d'horreur comme ça qui te mettent mal. Sans. Tu comprends pas pourquoi, tu vois. Eh ben, ce jeu m'a mis mal les crozes. Vraiment, il m'a pas mis bien du tout. Quoi. Vache, allez, quitte-moi ça là. Oh là là. Il m'a pas mis bien ce jeu. Bon, eh ben à mon avis de on est mort. C'est marrant, c'est un jeu qui a pas d'histoire, il y a pas de notes, il y a pas de. Tu lances le jeu, t'es dans une maison, t'as une grand-mère, t'as des énigmes et t'essaies de finir le jeu. Ouais, c'était un jeu malaisant, Catalia. Je suis assez d'accord, genre ambiance un peu glauque.